anciens, toujours en bien. Garder l'éthique, la déontologie pour le respect de tous ces hommes qui sont partis. Vanakese est là. Il fait toujours pour l'humanité. C'est son cœur qui reste avec nous. Pour lui seul, mais c'est pour nous tous. Il a cherché par tous les moyens comment faut-il remonter le niveau de vie des gens. Pas seulement dans les médicaments, mais aussi dans la vie sociale. Il reste gravé dans nos mémoires. Il a été inventeur de plusieurs produits, notamment le Mana Covid, le Mana Diar et le Mana Laria. Ce sont des produits qui vont continuer à circuler de génération en génération. Mbote bonsoir Kinshasa, mbote bonsoir Brazzaville. Bienvenue à ce énième numéro consacré aux obsèques du grand Floribert Bantangou. Lui qui était le géant dans le domaine pharmaceutique, lui qui a créé Mana Covid récemment, qui est un produit préventif et curatif contre la Covid-19. Alors aujourd'hui, nous assistons à ses obsèques. Il est décédé depuis le 5 mars. Alors aujourd'hui, il y a toute la corporation qui s'est mobilisée, il y a les membres de la famille, il y a les différentes autorités, les honorables sénateurs, les honorables députés provinciaux et provinciaux qui sont ici présents. Alors vous allez suivre de tour à tour ce qui va être les impressions de différentes catégories de ces personnes. Alors suivez Anima, ce qui va être la cérémonie des obsèques de ces grands baobas. La famille, les amis, les pharmaciens et de tous ceux qui sont ici présents, nous voulons dire ceci. Celui qui est ici couché dans ce cercueil, l'honorable Étienne Flaubert Bantangou Pessa, était pharmacien diplômé de la faculté de pharmacie de l'Université de Kinshasa. Et nous qui sommes ici réunis autour de son cercueil, nous sommes aussi pharmaciens. Bien entendu, à ce jour, les diplômes de pharmacien se délivrent dans plusieurs autres institutions universitaires. Il est mort, mais avant d'exercer sa profession de pharmacie, les textes, la loi, les coutumes exigent que le pharmacien doit prendre un engagement solennel qu'on appelle le serment de Galien. Galien est considéré comme l'ancêtre de la profession des pharmaciens. Pour ceux qui sont informés, les médecins ont les leurs, les infirmiers et tant d'autres professions ont, pour ceux qui les concernent, une personnalité qu'ils considèrent comme étant le premier ou le premier maître. Et pour ce faire, tout pharmacien, bien que diplômé, reconnu par les maîtres au sein d'une faculté agréée et reconnue, avant d'entrer dans la confrérie, c'est-à-dire l'ordre des pharmaciens, il doit prêter le serment. Il s'engage devant Dieu, devant les maîtres de la faculté, devant ses confrères que nous sommes, d'exercer sa profession en toute moralité, de mettre à profit toutes les connaissances qu'il a acquises à la faculté pour l'intérêt de la population, rien que la population. Et s'il lui arrive qu'il puisse y manquer, il doit être couvert d'opprobre. Il ne doit pas mériter notre considération. Pharmacien Bantangou, ici, dans le cercueil, s'était engagé à observer la moralité. Je voudrais dire ceci. Pour exercer la pharmacie, on est rattaché à un conseil provincial. Le foyer de la création de l'ordre des pharmaciens étant Kinshasa, le conseil provincial de Kinshasa a été pratiquement le point de départ de tous les autres conseils provinciaux à travers la République. Malheureusement, à ce jour, toutes les provinces
n'ont pas encore des conseils provinciaux, bien sûr les 26, hein, n'ont pas encore des conseils provinciaux installés en bonne et due forme. Mais dans toutes les provinces de la RDC, les pharmaciens, ils sont et ils exercent. Après avoir longtemps exercé dans le conseil provincial de Kinshasa, qui était le foyer, et d'ailleurs, il fait partie des pionniers de notre profession pour avoir exercé dans la secte de l'ordre des pharmaciens qu'on appelait AFASA. Et ensuite, il s'est retrouvé très actif dans l'ordre des pharmaciens, ici d'abord à Kinshasa et au niveau national. Nous attestons, en tout cas, juste après avoir exercé à Kinshasa, il a estimé par rapport à l'emplacement du CRPL, qui est en 2016, d'intégrer le conseil provincial du Congo central. Et le serment, puisque l'exercice de la pharmacie est contrôlé au quotidien par le conseil provincial, c'est normalement le conseil provincial du Congo central qui devait faire cette cérémonie. Mais étant donné qu'un conseil provincial est limité de par sa juridiction provinciale, c'est-à-dire le conseil provincial du Congo central se limite à Kasangoulou. Lui, il est décédé et tout s'est fait à Kinshasa. Sur le plan administratif, le conseil provincial du Congo central ne pouvait rien faire. C'est comme ça, de commun accord, le conseil de Kinshasa, sur qui nous sommes, et le conseil du Congo central, où il est membre effectif et régulier, ont estimé aussi, au vu des efforts, du travail, de la grandeur, de l'ampleur, de tout ce que notre aîné a réalisé dans notre profession de pharmacien, que ce soit le conseil national qui puisse le faire. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire. Il a fait un serment de travailler pour l'intérêt des malades. Nous ne pouvons pas les renier. C'est pourquoi nous avons pris la toge qui symbolise notre tenue officielle, qui symbolise la profession de pharmacien, pour que vous voyez que tel que nous sommes vêtus, lui aussi, il s'habillait comme tel et il est l'un de nous. Mais puisqu'il est parti, il ne saura plus faire ce travail-là, là où il est parti. Nous qui sommes restés, nous les prenons comme modèle. Nous allons nous rappeler de lui. Nous allons toujours dire qu'il y a eu un pharmacien Batamou ici, qui a un numéro d'ordre qui va rester éternellement, qu'on ne va jamais effacer. Et ce numéro d'ordre sera toujours affiché dans les tableaux nationaux, tout comme dans les tableaux provinciaux. Bien entendu, on pourra toujours signaler qu'il n'est plus sur la terre des vivants. C'est pourquoi je demande au président du Congo central de prier la toge du pharmacien Batamou et de le remettre à la famille qui va le garder comme souvenir par rapport à tout ce qu'il a fait parmi nous, les pharmaciens. Et gloire à Dieu, il a aussi influencé dans sa famille. Il y en a qui ont pu faire la même formation et qui ont intégré l'ordre des pharmaciens. Et en fait tout ceci, nous vous remercions de votre attention. Nous vous disons que nous, pharmaciens congolais, nous n'oublierons jamais celui avec qui nous avons été notre confrère Batamou Pessa-Étienne Robert. Merci. Amoureux et amoureux de la santé, vous qui aimez l'émission Pharmacie et Produits de la chaîne du ministère de la Santé, nous sommes ici aux obsèques du grand pharmacien Étienne Batamou, lui qui est auteur du récent produit Malacovid. Alors l'émotion est vraiment vive. Vous êtes en train de suivre à l'image ce que est la cérémonie, disons, de funérailles et ses grands baobas. Suivrez et restez toujours branchés. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la disparition du pharmacien Étienne Batamou?
Bon, pour nous, le Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens du Congo central, c'est une lourde perte. Nous sommes très tristes, très émus par rapport à cette perte. Aussi longtemps que c'était une personne de référence, une personne sur qui était un modèle pour nous tous dans le Congo central et pour toute la profession de pharmacien de la RDC. Étant donné qu'il était l'un des pionniers de l'ordre de pharmaciens, donc pour nous c'est vraiment une perte immense. Je crois que les émotions sont fortes. Perdre une personne aussi impliquée dans la recherche des solutions de la santé de la population, quelqu'un qui a mis la barre très haute de la profession pharmaceutique, je crois que les émotions ne sont pas à décrire. Les émotions sont visibles et que nous sommes profondément attristés. Mais la meilleure réponse des grands hommes, c'est d'aller au-delà, de faire au-delà de ce que lui il a fait. D'où nous lançons un appel à la jeunesse que nous sommes, de relever ces défis, de faire plus, d'assainir le secteur pharmaceutique et qu'on parle de l'homme pharmacien toujours en bien. Garder l'éthique, la déontologie pour le respect de tous ces hommes qui sont partis, y compris le pharmacien Flaubert Bantang. Merci. Vous voyez déjà que je suis très abattue. Nous étions le dernier à pouvoir qui étions avec lui lorsqu'il était encore en train de présenter son mana COVID. Et nous avions eu des échanges très fructueux. Comprenez, l'émotion est tellement grande qu'on ne sait pas comment s'exprimer. C'est un baobab que nous avons perdu dans le domaine pharmaceutique. C'est lui qui a été une fierté pour nous, pour le secteur pharmaceutique. Il nous quitte. Mais joie, nous avons une très grande joie. Mais au moins, nous pouvons même crier « Eureka, il a trouvé la solution à l'humanité entière. » Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Nous avons perdu un monument de la profession et nous sommes tristes de le voir partir. Nous sommes venus pour une cérémonie de lier vis-à-vis de son serment de Galien et nous allons le voir partir avec beaucoup de peine. Nous avons vu la présence de plusieurs secondes. Vous pensez qu'il serait de la chasse? Nous l'avons demandé et nous espérons que ça sera exécuté. Au sein de votre grand-père, qui était un grand pharmacien pour nous. Quelles sont vos impressions par rapport à sa disparition? Mon grand-père a été mon modèle dans la culture, dans la science. C'était un grand savant, c'était un repère pour moi. À chaque fois que c'était ma petite soeur, mon petit frère, c'était j'ai un cadeau, j'ai un jouet, mais quand c'est moi, c'était la culture. Si j'aime la culture comme je l'aime aujourd'hui, c'est grâce à mon grand-père. Je ne l'oublierai jamais, il était un modèle pour moi. Il m'a toujours dit, quand tu accordes la parole pendant 5 minutes, parle 3 minutes, 2 minutes, tu laisses. Il m'a appris à être éloquent. Il m'a appris à m'exprimer librement. Il m'a appris à être un homme, à être un aîné, à être un grand frère, à être un leader. Il m'a appris à influencer positivement de mon entourage. Il m'a appris à utiliser mon intelligence pour le bien de tous. Il m'a appris à être un grand, à être un grand homme. Il m'a appris tout ce que je sais. Je ne peux pas l'oublier, c'est... Je manque des mots. Comment comptez-vous pour réaliser ces grands combats qu'il a menés tout le long de sa vie? Oui. La descendance est une continuité. Et moi, je me dis, moi personnellement, je ferai tout pour que
à chaque fois qu'on parlera d'un battant, ça sera dans un domaine quelconque, que ce soit un domaine où il sera élevé. Et par ça, on pourra savoir que Batang Oumbessa a laissé un nom. Il a laissé des leaders. Il a laissé une dissonance forte. Il a laissé des gens qui peuvent lui faire honneur. Même 5 ans, 10 ans, 1000 ans plus tard, on parlera toujours de lui, à travers nous. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, vive condoléances. Je suis un Né-Congo. Mon nom, c'est Unzola. Et je suis en train de pleurer un papa. Il m'a formé. Parce que moi, je suis de l'école du pharmacien Tondele. Et aujourd'hui, je perds un autre papa. Je suis dans l'émotion. Mais il n'est pas parti. Manadiar est là. Manalaria est là. Mana Covid est là. Vanakese est là. Il fait toujours pour l'humanité. C'est son cœur qui reste avec nous. Là où il est parti chez les Bankoulou, c'est pour notre inspiration. Et le nom de Batang Oumbessa ne s'effacera jamais dans l'humanité tout entière. Parce qu'il est le seul à avoir trouvé un produit du terroir pour sauver toute l'humanité. Quel souvenir vous gardez de lui ? Très grand souvenir. En tant que pharmacien, il m'a initié dans le dialogue, parce que c'est un homme de dialogue, dans la réconciliation, parce que c'est un homme du peuple. Il a été commissaire du peuple. Il a créé une radio communautaire dans notre terroir de Louosi. Et il a été un dénominateur commun pour tout le monde. Il a un fils pharmacien, il a une fille médecin, et ses travaux sont financés par lui-même. Il n'avait jamais cherché l'argent de quelqu'un. Mais avec les moyens de bord, il a pu démontrer à l'humanité qu'un pharmacien, c'est un monsieur. Un pharmacien, c'est un notable. Un pharmacien, il est là, c'est un ganganquissi. Il connaît et il donne son savoir. Voilà le grand héritage que notre papa nous a laissé. Bonjour honorable, nous vous avons vu dans les obsèques du grand Baoba, du grand pharmacien qui est de votre province. Quelles sont vos impressions par rapport à cette disparition tragique? Nous avons un grand regret pour la disparition de celui que nous appelons le savant. Vous savez, il a toujours été à lèvres lors de l'apparition de Bilal Religiose. Il a eu à créer un médicament contre la bilharziose. Quand la malaria a commencé à décimer la population congolaise, il a créé un médicament contre la malaria. Aujourd'hui, la COVID-19 commence à attaquer ou bien à décimer le monde. Il a créé la Mana Covid qui a été, n'est-ce pas, acceptée par les autorités nationales. Et aujourd'hui, le voir partir sans pourtant qu'il puisse bénéficier de la gloire dont il devait bénéficier, nous sommes dans les regrets. Nous pensons que son œuvre va continuer. Mais au moins, je suis en train d'apprendre que le ministre de la Recherche scientifique est là. C'est un honneur pour nous parce que nécessairement, c'est dans son domaine qu'il a œuvré. Et donc, nous voulons qu'il soit honoré même à titre posthume parce qu'il a vraiment donné de son savoir pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, honorable. Merci. Oui, nos impressions sont telles que tout le monde l'a dit. Et vraiment, nous sommes profondément touchés dans la famille parce qu'il n'a pas été seulement chercheur dans le domaine pharmaceutique, mais il a aussi été chercheur de solutions dans le domaine de la famille. Il a débloqué beaucoup de choses en famille. Par exemple, il a ramené dans son village natal, dans notre village, dans le fin fond de Manianga, une radio communautaire. Et ça n'a pas été seulement pour lui seul, mais c'est pour nous tous. Il a cherché par tous les moyens comment faut-il remonter le niveau de vie des gens, pas seulement dans les médicaments, mais aussi dans la vie sociale. Je retiens une dernière parole qu'il m'a adressée. Lorsqu'il y a un mois, nous avons pleuré notre sœur. Et nous l'avons fait sortir ici à l'hôpital Ngaliema, clinique Ngaliema. Et quand nous allions pour organiser les obsèques de cette sœur-là, lui, il a laissé seulement les mots que je puisse le représenter. Donc quand je suis arrivé,
Je l'appelle pour commencer à trouver des solutions. Il me dit qu'il faut apprendre à faire des choses quand nous ne sommes pas là. Bon, ça m'a beaucoup touché parce que nous faisons des choses. Pendant qu'il est là, il donne des idées et puis nous nous appuyons sur ce qui... Parce que lui, c'est le leader. Mais à cette fois-là, il dit, même si nous ne sommes plus là, vous devez apprendre à faire des choses parce que vous êtes suffisamment rodés. Alors comment comptez-vous ? Ça nous touche, mais pour nous, il nous a été très cher. Nous sommes très contents de la manière dont les obsèques se sont organisées. C'est à la hauteur de sa taille. Alors comment comptez-vous, vous, au niveau de la famille, pérenniser les prouesses de M. Batang ? Bon, au niveau de la famille, il nous a beaucoup formés. C'est un formateur des idoles. Hein. Il nous a beaucoup formés. Nous allons toujours suivre sa ligne de conduite. Tout ce qu'il disait, nous le retenons. Et tout ce qu'il faisait, nous allons tenter de les appliquer tant soit peu. Merci beaucoup. Nous avons été suffisamment autour de son école. Merci beaucoup. Je vous en prie. Que les syndicalistes, vos impressions par rapport à la disparition du bâton Nous l'avons dit, nous venons d'honorer un grand baobab qui est tombé. Il reste gravé dans nos mémoires. Il a été inventeur de plusieurs produits, notamment le mana Covid, le mana Diar et le mana Laria. Ce sont des produits qui vont continuer à circuler de génération en génération. Et nous pensons qu'à travers ça, il sera immortalisé dans la profession pharmaceutique. Seulement, nous déplorons le fait que les autorités politiques et administratives ne sont pas vraiment impliquées dans les obsèques du baobab pharmacien Batangou. Nous avons vu la présence de plusieurs autorités, notamment le gouverneur du Congo central, le ministre de la recherche scientifique et plusieurs sénateurs et députés. Mais pourquoi vous déplorez cet aspect des choses? Oui, exactement. Nous avons vu le gouverneur du Congo central, son excellence Atuma Tubuana, venir. Nous lui remercions pour ça. Nous avons vu aussi le ministre de la recherche scientifique ainsi que le ministre chargé avec des relations du Parlement. Nous les remercions pour leur présence, mais le pharmacien Batangou a beaucoup plus évolué dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, quand il a mis au point le mana Covid, qui est un traitement de la Covid-19, je crois que le ministre des Titelles devrait donner beaucoup d'importance à ce baobab. Merci beaucoup. Merci. Amoureux et amoureuses de la santé et de l'émission Pharmacie et produits du ministère de la chaîne du ministère de la Santé, nous vous disons sincèrement merci. Nous voici à la fin de la petite cérémonie, les obsèques du grand baobab, du grand pharmacien, à la personne de l'honorable Étienne Batangou Mpessa. Alors, l'émotion était vraiment vive. L'émotion était vive. Nous avons vu de larmes couler sur le joug de pharmacien, sur nos joues, mesdames et messieurs. Alors, nous vous disons sincèrement merci et nous demandons. À ce que l'honorable Étienne Batangou soit honoré à titre posthume au grade de grand chancelier et au grand cordon de la chancellerie de l'ordre national. En tout cas, on ne doit pas seulement le faire pour le musicien, on ne doit pas seulement le faire pour le politicien ou pour le militaire, mais pour les hommes de la tête aussi, pour les grands esprits, pour ceux qui ont consacré leur vie pour nous apporter des produits dans nos ménages, pour contribuer à notre guérison. Alors nous demandons à ce que la chancellerie de l'ordre national puisse décorer
puisse décorer le grand Baroba, ce pharmacien Batangou, de heureuse mémoire. Merci beaucoup, nous allons nous voir avec vous dans la prochaine numéro. Restez branchés. Thank you.